Hi guys and welcome back to my channel. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto recap quick weave. Donc on va faire ça ensemble, hein. C'est rapide. Clairement en plus là j'ai les cheveux super courts. Celles qui ont les cheveux courts comme moi, bah vous allez voir, ça va être quelque chose que vous allez faire assez rapidement. Donc là j'ai essayé de plaquer mes cheveux avec la Red One, la rouge. J'en ai pas mis des tonnes parce que de toute façon je sais que je mets ma wig cap derrière, donc c'est pas un souci, on va pas... Des fois, quand vous mettez trop de cire Red One, ça a tendance à démanger. Donc, moi, j'en mets pas beaucoup, en tout cas. Quand il s'agit de mettre sur toute ma tête, je fais doucement, parce que en plus, après, c'est collant, c'est désagréable, etc. Donc là, je vais prendre mes bandes de tissage, je vais mesurer à chaque fois. Donc je vais mesurer, couper, voilà, c'est un. Ensuite je vais venir avec une colle que je ne recommande à personne, Nati, N-A-T-Y, elle est zéro. Plus jamais je rachète cette colle, c'est mort en fait, je regrette mon ancienne colle. Habituellement je prends le flacon qui a le bouchon rouge, mais là, je sais pas, j'ai pris celle-ci, je voulais tester autre chose. Mais j'aurais dû m'abstenir, clairement, parce que elle est pas bonne du tout cette colle. Donc voilà, bref, j'ai hâte qu'elle se termine, passer à autre chose. Ensuite, comme ça s'appelle la coiffure, hein, vous voyez, j'ai dessiné un U sur mon bonnet. Et c'est ce que je vais laisser. Oh, il m'est arrivé une dinguerie avec la colle. Tu vois, déjà qu'elle colle pas, en plus elle fait des trucs bizarres, elle tombe et tout. N'importe quoi. Bref, et donc, ouais, donc c'est recap avec la part U-Port. Donc c'est pour ça que tu vois qu'il y a un U tracé au crayon blanc sur le dessus du bonnet. Et en fait c'est la partie que je vais laisser libre, c'est-à-dire que je vais coller tout autour et je vais laisser le U que je vais découper à la fin une fois que j'aurai collé toutes mes bandes de tissage. Donc je vais quand même t'épargner ce passage, c'est pas compliqué, hein. Tu m'as déjà vu faire cette méthode de coiffeur de perruque rapide, j'arrive même pas à trouver mes mots. Du coup là c'était vraiment pour vous montrer la méthode avec le plaquage des cheveux à l'avant avec la cire Red One. Voilà, c'était vraiment pour mettre le point d'honneur sur cette cire. J'aime trop cette cire, franchement elle plaque super bien les cheveux crépus, c'est abusé. Pendant un bon moment en plus, hein, franchement, même si vous avez un petit peu d'humidité ou quoi, vos cheveux vont rester plaques. C'est ça que j'aime bien avec cette cire. Elle est trop cool. Franchement, je crois que c'est the must have dans votre... C'est un must have, hein, dans vos produits capillaires, clairement. Bon, j'arrête de blablater, je vous laisse avec le reste de la vidéo. De toute façon, après, c'est parlant, hein, vous allez voir. Je vais faire des petites portions avec mon peigne à queue et je vais plaquer mes différentes portions avec ma Red One. Donc j'ai même pas présenté dans la vidéo, mais c'est clairement ça que j'utilise, hein. C'est la Red One, la cire magique. Donc là je retire mon élastique, j'ai déjà coupé mon U et voilà, comme je l'ai dit précédemment, je vais plaquer mes cheveux. Bon bah voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.
voici le résultat final. Quand c'est bien plaqué, on ne voit plus la choulax. Enfin, ouais, bon, j'ai essayé de faire ça, j'ai fait ça vraiment très rapidement. Donc, c'est pas parfait comme j'aurais voulu, mais l'effet est là quoi. Voilà. Je crois que je vais mettre un bonnet quand même dans ma tête.